Bonjour, mes chers élèves de la classe de CM1. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous donne une séance de lecture, un programme indiscret. Page 80. Prenez s'il vous plaît votre livre. L'arbre mou. Vous allez retrouver un programme indiscret. Alors suivez avec moi. Et ce matin, je suis d'autant plus content que Madame Duchamp me mette à la porte. Que nous touchons au but. Après 4 mois d'efforts, de recherches, de tâtonnements, J'aime et moi avons mis au point le programme sur lequel il piétinait depuis plus de 20 ans. Ce programme, baptisé « AQPTL », va permettre à Jem, le très respectable principal du collège, Jean Foupalour, de mieux connaître ses professeurs. AQPT1 signifie à quoi penses-tu? Ce programme commande dans chaque classe 3 caméras dissimulées dans le plafond. Caméras qui non seulement filment ce qui se passe dans la salle, mais de plus espionne le cerveau et révèle les pensées de ceux qui se trouvent dans leur champ. Surtout que cela ne sorte pas des pages de ce livre. Ne le dites pas à personne, ni à vos parents, ni à vos copains, ni à vos camarades d'école. Derrière chacun d'eux peut se cacher un agent secret de la DCRI ou de la CIA. Tu serais trop content de nous hacker ce fabuleux programme. Si vous pensez ne pas pouvoir garder ce terrible secret, alors fermez immédiatement ce livre et oubliez ce que vous venez de lire. Bien, vous êtes encore avec moi, alors c'est que je peux vous faire confiance. Je quitte donc Marguerite Duchamp et arrive sans encombre dans le bureau de Jean. Elle est déjà là, très excitée devant son écran de contrôle. Vous avez eu mon tweet, monsieur? Oui, Jeremy. La sanction est vite tombée. Sûr. Vous n'oublierez pas de récupérer mon smartphone. Comme d'habitude, mais dépêche-toi. Moustique, aujourd'hui, c'est fait. Toutes les caméras sont prêtes. Vous êtes sûr, monsieur, de vouloir connaître les pensées de vos collègues? Oh que oui, Stick. 26 ans que j'attends cela. J'ai peur, monsieur, que vous ne soyez déçu. Et pourquoi cela, Stick? C'est pas, monsieur, un pressentiment. Assez parlé, me dit J'aime. Attrape la clé. D'accord, mais par qui va-t-on commencer? Très bonne question, Moustique. Que diras-tu de Monsieur T? Propose J'aime. Pourquoi pas? Je soulève les pots de colle, les déplace et récupère la clé USB, un petit bijou qui peut stocker 128 gigaoctets, soit un peu plus que les 100 gigaoctets d'AQPT1. C'est moi qui est convaincu. J'aime héberger notre programme sur une clé, non sur le disque dur de notre ordinateur ou sur un serveur trop facilement pirate. Bien que personne n'entre jamais dans son bureau et qu'il y ait une telle pagaille qu'une poule n'y retrouverait pas ses poussins. J'aime préfère cacher la clé magique. La première fois que nous avons mis 2 heures pour la retrouver, aussi a-t-on décidé de la cacher sous les pots de colle. Je slalome entre 3 piles de rapports, de conseils, de classe et rejoins l'ordinateur devant lequel J'aime est confortablement installé. J'insère la clé USB après quelques gargouillis héros sophistiqués. Un des écrans de contrôle s'allume. Voilà.